Venu sur le plateau de C'est à vous ce mardi pour parler de ses mémoires qui paraîtront jeudi aux éditions Talendier, Alain Juppé s'est confié sur sa vie amoureuse. Notamment sur ses infidélités et sa première épouse Christine. Alain Juppé se met à nu dans ses mémoires intitulées Une histoire française, qui paraîtront jeudi prochain aux éditions Talendier. Il est attendu demain à 19h à la librairie La 25e Heure à Paris pour le lancement de son livre, et se rendra le lendemain au Mans, à la librairie Thuard, pour rencontrer ses lecteurs. Ce mardi 12 septembre, l'ancien Premier ministre, sous Jacques Chirac, note de la rédaction, était reçu par Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de C'est à vous. Il est notamment revenu sur son histoire avec Christine, sa première épouse. Un passage de sa vie qu'il raconte dans cet ouvrage, et qu'il rappelle dans le talk show, j'avais 20 ans. Je me suis marié, je n'étais pas majeur encore à l'époque, la majorité ne passera à 18 ans qu'en 1974 sous ce Valéry Giscard d'Estaing, note de la rédaction. J'ai eu un coup de poudre en Grèce, dans un voyage d'Hippocagneux, élève en première année de classe préparatoire littéraire, note de la rédaction. On a vécu près de 25 ans ensemble. J'ai pour elle toujours beaucoup d'affection et de tendresse. Ils ont eu ensemble deux enfants, Laurent, né en 1967, producteur audiovisuel, et Marion, née en 1973, médecin, note de la rédaction. Ça dure depuis 30 ans cette belle confidence, avant que l'ancien maire de Bordeaux ne s'exprime, toujours face à Babette, sur ses infidélités lorsqu'il avait la quarantaine, je n'avais peut-être pas suffisamment jeté ma gourme à 20 ans. On appelle cela comment? Démon de midi? Oui bon, j'ai un peu batifolé, je le reconnais. Des infidélités dont il ne se cache pas dans ses mémoires, en témoigne cet extrait révélé par Madame Figaro, j'avais toujours été sensible à la beauté des femmes. La politique multiplie les tentations. J'ai eu donc des aventures, la plupart sans lendemain. Et c'est ainsi qu'après plus de 20 ans de vie commune, si riche en moments de bonheur et de partage, insensiblement, Christine et moi nous éloignâmes l'un de l'autre, sans drame ni violence. Alain Juppé a ensuite précisé dans C'est à vous qu'il n'en dirait pas davantage à ce sujet, mon jardin secret reste secret. Il a ensuite eu quelques mots pour son actuelle épouse, Isabelle, mère de sa petite dernière Clara, née en 1995, note de la rédaction, ça dure depuis 30 ans. Nous avons fêté notre 30e anniversaire de mariage il y a quelques semaines. Il a ensuite expliqué, à la demande de la maman d'Arthur et Vasco, la raison pour laquelle il a souhaité raconter sa vie amoureuse dans son livre, parce que cela fait partie de ma vie. Quand on écrit des mémoires, on parle de soi. Puis vous serez témoin que sur les 350 pages du livre, ça n'en occupe pas beaucoup. Et confidence en toute sincérité donc, de la part du célèbre homme politique.